احنا في مؤتمر ديال الأكاديمية الحسن الثاني لإبراز أهمية التعاون ما بين المهندسين والأطباء لصالح المرضى. فهناك مجموعة من التقنيات الحديثة، منها الطباعة ثلاثية الأبعاد، منها الذكاء الاصطناعي إلى غير ذلك، منها يعني في المواد الذكية التي تعين على إعادة تعويض الأعضاء المبتورة. فكل هذه التقنيات نحاول أن نضعها في صالح المرضى بوضع جسور ما بين جميع التخصصات، خاصة جامعة الطب وجامعة الكلية لمدارس المهندسين، الجامعات العلوم والتقنيات، كل هذه التخصصات لصالح المرضى. فحضورنا هنا للتواصل لإعطاء مشاريع حقيقية ودفع البحث إلى بحث علمي تطبيقي واقعي في أرض الواقع، حتى يستفيد كثير من الحالات. أخص بذلك فقط العدد الهائل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فحسب الإحصائيات هناك أكثر من 1,000,000 ذوي الاحتياجات الخاصة. فهؤلاء يدفعوننا بكل مواطنة وبكل حرقة، على لأنهم أبناؤنا وإخواننا، لبحث عن حلول لمساعدتهم، حلول تقنية. هناك حلول تقنية موجودة ولكن التكلفة عالية، فلا بد لنا من دفع البحث العلمي ودفع مهندسينا إلى صناعة محلية حتى يمكنوا شيئين: تمكين هؤلاء المرضى من هذه التقنيات وجعلها في متناول المادي. أظن هذا هو الملخص العام لهذه المؤتمر. صلى الله تعالى التوفيق. Nous sommes ici à la clôture sur l'assemblée plénière d'académie qui a permis de rejoindre, de faire parler des ingénieurs aux docteurs et de soumettre les problématiques de part et d'autre, de mettre en contact deux entités qui ne se parlent que très peu. Donc du côté médical où c'est des gens qui ont des besoins, qui ont besoin de solutions techniques, et d'ingénieurs qui demandent à travailler sur des solutions. Et donc à travers ces deux journées de conférences, il y a eu des très bons sujets, que ce soit au niveau de l'imagerie médicale, que ce soit au niveau des solutions diagnostiques et même au niveau des solutions techniques. Et donc ça a été une excellente opportunité d'échange entre deux visions, ou entre les praticiens qui sont en première ligne avec les patients et les ingénieurs qui peuvent travailler sur le développement de solutions. Donc, ça a été une expérience très enrichissante, une très belle opportunité d'échange, et on ne peut qu'espérer une continuité à travers la formation de la mise en place de mécanismes qui vont permettre de pérenniser ou de continuer cet esprit de collaboration. Donc, on ne peut espérer que le meilleur pour une prochaine édition encore sur le biomédical. Nous travaillons justement sur cette nouvelle technologie qui est une technologie de rupture par rapport à ce qu'on savait avant. Là, on réalise des pièces trois dimensions d'un seul coup à partir d'un fichier numérique. Alors, on a participé à cette séance plénière, on a présenté un peu nos travaux par rapport à ce qu'on fait avec la médecine, notamment des prothèses auriculaires et des prothèses nasales. Et bon, il y a d'autres travaux, bien sûr, qu'on réalise avec la médecine. Ben, c'est en cours de développement, on est encore jeune, mais c'est des choses qui arrivent et qui pourraient, je dirais, bouleverser un petit peu le champ technique au Maroc. J'espère que ça va rendre service à la société marocaine et je dirais à la science et à la technologie marocaine. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب.
بارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.